C'est Astrid, bonjour, coach sportif et professeur de fitness. Bienvenue dans ma nouvelle séance de Upper Body Training. Donc, on va travailler le haut du corps avec l'aide d'une élastique. Le mien est ouvert de deux côtés et il est assez solide. Vous pouvez prendre aussi d'autres modèles, vous trouvez dans le rayon du sport ou sur internet. Alors, on commence avec un échauffement. Mettez-vous face à moi. Merci. Step out, bras en avant, et puis les bras à haut, et va l'écouter. On va mélanger deux en avant, deux en haut, deux à nouveau devant, et ça tout ça. Je m'approche, levez vos bras et commencez avec les petites cercles. Échauffez déjà les deltoïdes ici, les épaules, jusqu'à ce qu'ils lèvent vos bras jusqu'à le niveau de vos épaules. Et cercle en son arrière. Restez toujours haut avec les bras, une fois on ferme les mains flex et en bas, on le bouton en haut et en bas. Allez, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et on ajoute encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, penchez-vous, ramenez les bras en haut et serrez les omoplates. Pour l'instant, sans charge, sans élastique, en guise d'échauffement. Et encore deux. On relâche les bras. Et on commence avec les biceps. Après, votre élastique. Vous ne voyez pas mes pieds pour l'instant, mais je viens, vous voyez le haut du corps. Donc, vous placez votre élastique au sol. Vous les fixez avec les deux pieds, comme ça c'est bien fixé. Vous avez l'élastique peut-être jusqu'à la hanche, ça dépend de la longueur de votre élastique. On y prenne, on peut pousser l'index comme ça, et aussi faire une poignée. Et puis vous file, vous ne reculez pas avec les coudes, vous avancez plutôt, vous gardez la contraction au niveau des biceps. Vous pouvez aussi fixer les coudes avec votre bras droit. Donc, on commence avec les gauches, en haut et en bas, vous devez les ressentir. Si ça c'est trop facile, vous le prendrez plus court. Allez, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et encore 10, ça ne va pas être facile. Alors, si c'est trop facile, prenez les plus courtes. 3, 4, 5. 9, 10 et on change. Donc, je prends en préférence mon à droite maintenant. Je place mes deux pieds là aussi. Après, au niveau de la hanche, là il est plus long donc je coupe là au niveau de mon os. C'était mon orientation. Là aussi, je fixe mon coude et j'ai la même intensité. Allez, 2, 3. Et vous restez encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On reste diagonal. Je prends l'élastique ici avec 7 mains jusqu'à dans la prolongation de mon bras. Je fais légèrement les jambes. Je redresse le buste et je tire à l'extérieur. 2, 3, 4, 5, 6,
Allez, encore 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Même chose, donc je reviens vers le même côté, comme pour les débuts. Mon élastique est sur les pieds droits. Je traîne les bras sur les pieds gauche, pardon, je prends les bras droits. Et c'est parti. 1 et 2. Poussez les hanches en arrière, redressez la poitrine. N'arrondis pas les dos, c'est important. 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et encore 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Parfait. Alors là, je vais diviser l'élastique exactement en deux pour être sûr qu'on a la même longueur à droite et gauche. Placez les deux pieds. L'élastique, faites le test si ça a pris encore la même hauteur. Et là, on traîne comme ça, comme une pinceau. On se redresse bien, on rentre le nombril, pousse les têtes en haut, les épaules. Donc, ça va dépendre de la densité de votre élastique jusqu'à où vous pouvez aller. 1, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, et vous restez encore. 10, 9, 8, oh, qu'est-ce que je fais? 5, pardon. 4, 3, 2, 1. C'est les travaux à côté qui me déconcentrent. Alors, on passe aux triceps. Pour les triceps, si vous avez longs cheveux, vous pouvez placer, mettre les démons. Vous prendrez en deux, vous fixez votre hanche, votre élastique avec la main sur la taille. Avancez les pubis, ne soyez pas cambrés, rentrez bien les nombrils et là, vous les prendrez courtes et on pousse à haut. Si ça c'est trop facile, vous les prendrez plus courtes. Alors, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 et on va faire encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et on change directement, vous gardez la même distance, juste c'est l'autre main qui fixe l'élastique dans les hanches et l'autre bras est à haut et c'est parti, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, hop, parfait. Relâchez les épaules, on passe aux pectoraux. On a trois faisceaux dans les pectoraux, on ramène. Plus haut et plus bas. Là, on prenne. Pareil, la position, vous avancez les pubis, rentre les lombrilles. Ça, c'est pour gainer les transverses qui protègent votre dos chaque fois que vous travaillez avec le haut du corps, avec le charge ou même que les bouts. Donc, mets l'élastique devant vous, au même niveau comme aux épaules. Entre pouce et index, ça. Et là, j'inspire et j'essaie d'ouvrir. Si vous le prenez plus long, plus en ouverture, mais ça n'a aucune incidence si c'est plus court ou pour moi, l'essentiel, vous allez aux limites de votre force, c'est ça qui compte. Continue, n'arrêtez pas le mouvement, moi je vais lâcher jusqu'au bout, expliquez, vous devez les ressentir ici. Encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et maintenant les fesses supérieures légèrement plus haut, c'est là, et c'est parti, 1, 2, 3,
4, 5, 6. Vous pouvez aussi attraper avec tous vos doigts. 9, 10. Et vous reste encore 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et les faisceaux inférieurs qui est un peu plus facile car ça repose vos épaules. Et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tenez bon, il vous reste encore 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Relâchez vos élastiques et récupérez avec vos épaules. Relâchez vos bras, roulez les épaules. Vraiment des grands cercles. On va à la fin. On va récupérer un peu. Et on revient vers les dos. Là, on ici, je souffle mes cheveux en plus. Mettez-les devant car si ça se roule avec une élastique, ça peut faire mal. Donc vous gardez les bras un peu plus ouverts que vos épaules. Ça dépend de la densité de l'élastique. Si c'est vraiment trop facile, vous les prenez plus serré. Si trop dur, et un peu plus large. En tout cas, les hanches en arrière, on redresse la poitrine. Ça, c'est pour travailler les dos. Et on ramène, regardez, on serre les épaules et on pousse. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et il vous reste encore 10. Donc on serre à chaque fois les omoplates. 9, 8, 7, 6, je pense que j'ai ajouté, mais ça c'est pas grave. 5, 4, 3, 2, 1. Voilà, et on continue avec les dos. Mettez-vous toujours avancer votre pubis, stabiliser avec votre transverse. Là, c'est simplement on ouvre et on ferme. Si ça s'ouvre trop, vous pouvez aussi fermer un peu plus, c'est trop facile. 3, 4, 5, 6. Cette fois-là, les coudes sont légèrement fléchis. Donc, verrouillez les coudes. 10, et encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et 1. Parfait. Relâchez et on va descendre une étage au sol. Pour cela, je change les caméras. Donc vous pouvez vous déjà installer. Être plus proche. Je pense que ça pourrait être bon. Un premier temps, on travaille assis. Donc mettez votre élastique toute la longueur sur votre tapis. Ça penche un peu. Vous êtes assis, tendez vos bras et regardez si vous avez à peu près la même taille avec l'élastique droite et gauche. On se redresse en imaginant, suspendu à un fil imaginaire au plafond pour ne pas être comme ça. Maintenant, vos dos bien redressés, rentrez vos nombrils et tendez vos bras. Et là où vous touchez vos bouts des doigts, vous êtes sûr que vous avez la même densité dans votre élastique. Alors, on prenne. Et on essaie de monter. 1, allez, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et là, on reste là au 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On relâche. On roule les épaules et on passe au arm cercle. Toujours la même densité droite et gauche. On ouvre, on descend et on ouvre. 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 10 dans l'autre sens. Allez, en arrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouh, le mien est très dur et c'est bien. Moi, je ressens bien la douleur maintenant. Ça devait être le cas pour vous aussi. Si ça brûle maintenant, c'est bon, c'est voulu. Si vous avez senti rien et tout, prenez les plus courtes ou choisissez une élastique un peu plus dense. Alors, on reprenne les deux gouttes, même. Et on planche avec le bras gauche en bas. On commence avec votre bras droit. Allez, 1, 2, inspire haut, expire en bas. 5, 6, 7, 8, 9, 10 et l'autre côté aussi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Parfait. Alors, les pompes avec l'élastique aussi, ça c'est possible. Et l'élastique va intensifier notre travail pour les pompes. Donc, posez là. Sauvez vos nattes pour vos cheveux, toujours. Gardez l'élastique. Derrière, plat. Prêt. Et après, on va placer la main avec l'élastique sur l'extérieur du tapis pour avoir une pompe pectoraux, donc pas serré, c'est vraiment les bras, regardez, ils sont relativement larges. Si je descends, mes bras font du angle droit. Si vous faites les pecs, ne les posez pas ici, faites ça, ça tord vos poignets. Si on les place serrés, ça sera pour les triceps. Alors là, on est sur les pompes pectoraux. On recule avec les genoux, rétroverse le bassin et on commence. On descend et on remonte. 2, 3, 4, allez, 5, 6, 7, 8, 9, 10, c'est trop facile. Sur les pieds, allez, 1, 2, 3, 4, 5, on se régit tout, 6, 7, 8, 9, 10. Donc ça nous fait 20 pompes. On relâche, on relâche, on relâche. Et on termine avec une dernière pour les deux, complètement allongée. Aussi là, je vais changer la tête pour que ça prenne la place. Ça. Un gros élastique un peu plus large que les épaules. Vous mettez sur le ventre, poussez les pieds en arrière pour contracter aussi les fessiers. Et j'inspire et j'expire un peu plus court. Alors, on lève, on écarte les bras et on ferme. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et on reste en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et on relâche. Placez les mains au sol, étirement d'abord pour les dos, en rétroversion et en bouche. Et puis en chien des bas, poussez les hanches en arrière et placez une talon après l'autre au sol. Pour une étirement, oligo. Alors, enroulez les épaules. Vous devez avoir senti l'effort. Sinon, adaptez vos élastiques ou la longueur de vos élastiques à vos besoins. Pour l'épaule droite, on tire les coudes à gauche et on presse l'épaule à droite. Pour vraiment avoir un étirement ici, ne suivre pas avec l'épaule. Pour les triceps,
pousser les têtes contre les bras. Et on change l'épaule gauche à gauche et les coudes à droite. Triceps. Et les bras devant, les muscles devant vos bras. Ramenez vos doigts. Et là aussi. Side bend. Ça fait du bien. Attrapez la tête, tirez la tête délicatement à droite et pressez avec la main gauche au sol. On change là aussi pour étirer les fléchisseurs du cou. Épaules cervicales bien redressées ou tirez la tête en avant. Étirez les pecs. Ouvrez les bras, inspirez et expirez pour le remuer, pour les dos, arrondir les dos. Poussez les mains en avant et les dos en arrière. Encore, j'inspire avec et étirons les doigts. Inspirez une troisième fois. Expirez à haut. Une fois à droite, une fois à gauche. On relâche tout. Et on est arrivé à la fin de notre séance pour les haut du corps aujourd'hui avec flexbond ou une élastique. Merci beaucoup, j'espère que cette séance vous a fait du bien. Vous savez très bien tout ce que vous faites régulière, c'est beaucoup plus efficace, donc au moins une fois par semaine. Puis après, combiner avec d'autres programmes, soit parmi les vidéos, ils sont rangés en playlist pour les body core, pour les fesses, pour les cuisses, les abdominaux et la taille. Combiner avec le haut du corps, ça vous fera un entraînement complètement complet ou avec des vidéos de mes collègues. Merci et à très très bientôt. Bye bye.